Et du coup, salut à tous et à toutes. Là, vous devez dire hein. Si vous reconnaissez peut-être. Mais du coup, c'est quand même trop une nouvelle vidéo bien sûr aujourd'hui. Pour vous devez remarquer, peut-être, vous allez très vite vous rendre compte de toute façon. Mais on est sur Red. De toute façon, c'est marqué dans le titre, je suis con, mais c'est Red Dead Redemption 2. Tadam. Là, on va jouer un peu online, en sachant que. Alors, c'est en différé parce que j'ai filmé depuis la console. Et si je dis ça, c'est parce que du coup, ça y est, j'ai craqué, j'ai une PS4. Ce qui fait qu'en fait, vous allez avoir du contenu. Notamment sur 4 jeux différents, enfin 5 jeux que j'ai. Mais 4 différents, puisque Red Dead, bah, vous l'avez aujourd'hui. Donc, vous savez que vous allez l'avoir. Donc, il y a Red Dead Redemption, Monster Hunter, que je ferai aussi un peu avec Block notamment. Et un de ses potes à lui. Bloodborne, qu'on a normalement prévu de faire avec Block aussi. Nier Automata, que j'ai repris même si je l'ai déjà sur PC, mais bon, la version était vraiment pas chère, donc je l'ai pris quand même. Et Persona 5, que j'ai pris, mais du coup full anglais. On verra si on le fait et comment on le fera. Si on le fait aujourd'hui, un épisode plutôt court, et je vais me taire parce que bah, je vais laisser l'histoire, on va dire. Mais voilà, on va commencer le mode online un petit peu ensemble, je sais pas combien de vidéos on fera en tout. On en fera juste quelques-unes, et si ça se trouve, au bout de deux, on arrêtera. De toute façon, on en fera plus. Mais tell the marshal this ain't how we do things here. But I'll oblige him this once. All right. Let's see what we got. Alors, quand je choisis son perso, je vous ai épargné le quart d'heure, le bon gros 15 minutes que j'ai passé à personnaliser le perso. Après, on pourra faire du solo aussi hein, sur le jeu, mais c'est vrai que j'aimais bien l'idée de pouvoir faire une cowboy, on va dire, féminine. Et du coup, je me suis lâché. Et bah, vous allez voir, de toute façon, voilà c'est un peu plus selon mes goûts, quoi, on va dire. Enfin, voilà, et aussi, je suis sur PS4, mais j'ai pas encore bien tout réglé, les façons de faire, etc. Techniquement, peut-être que à terme, il y aura ma caméra en même temps, et ce sera comme une vidéo classique, c'est juste que bah, vous aurez bah, le cours du PS4, donc meilleure qualité graphique, des jeux, des exclus notamment comme bah, là, avec Red Dead. Et puis voilà, vous allez voir, Red Dead c'est quand même bien cool, hein. Même si c'est très très lent, moi j'aime bien, j'adore l'ambiance et tout, bon, bref, j'en dis pas trop, non plus si vous avez jamais vu. Et écoutez, je vous laisse la genre de cinématique des débuts, de l'introduction qui est un petit peu longue, et voilà, j'interviendrai au pire si besoin. J'essaie de me taire. Je sais que je suis très bavard en général sur les cinématiques. Mais soit en différé comme ça, c'est compliqué. Parce qu'en général, j'ai envie de me dire, bon bah je coupe, tant pis. Enfin, c'est genre, je coupe ma voix et je vous reprends après, entre guillemets. Mais pour que vous soyez à fond dedans, quoi. Jackson! Officer Jackson, move those prisoners! Officer Benton! Kitchen's a staff! Officer Townsend, those rocks ain't gonna break themselves! What are you standing there for? Get moving! What are you looking at? Go on, get moving. You with the hammer, and you'll do. We need to perform a work detail out in Rhodes. Come on, get in. Open the gate. On te prêche pas ouf, mais. Come on, Milliken. Et je sais, j'ai une coiffure de vieille. Red Dead Online. I tell you what, old Jameson is a wretched, sour old bastard, and no mistake. You lot stay calm in there. You weren't saying nothing. Well, you are now. Shut up. You know, my wife has acquired ideas significantly above her station. She's been reading too many goddamn books. Personally, I'm against education. Of women, I mean. And men, I guess. Unnecessary. Lord. Doesn't add much to the world. Education. Mais oui, bien sûr, mon gars. N'importe quoi. Good day, gentlemen. C'est cohérent avec l'époque, hein. Don't do anything stupid. Nobody gets shot. Act like fools, and the pair of you will be dead within a minute. Now, what are your names? Jenkins and Milliken. Well, Mr. Jenkins and Mr. Milliken,
Throw your guns to the ground and get on down here. That's it. Very glad to meet you. It's not worth being rash. You boys get paid a salary. You get that salary whether these people escape or not. Your wives presumably want you alive. Let them out. Now, please. Okay. Okay. Évidemment, sans douter, c'est pour nous qu'il est là. Aside from you, try to stay out of trouble. This is a stroke of good fortune for all. Je sais de près, mon perso fait bizarre. Ne vous inquiétez pas. Now, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, be so kind as to quickly run away before somebody gets shot entirely unnecessarily. Go on, don't look back. Mr. Wendt, I believe it was $50 we agreed on. It was. Here's 50 each. Each? Yes. Now get out of here, both of you. My employer and I appreciate your professionalism. All we did was stand there and look tough. And you did it fantastically well. Good day, gentlemen. Now, ma'am, how about you pick up these guns and we move out? My mistress is waiting for us. Bon, comme les autres jeux Rockstar, hein, si vous avez joué à GTA notamment, vous le savez, vous avez toujours un début un peu scénarisé, entre guillemets prétexte, pour vous apprendre vite fait à jouer. Et après, vous allez être beaucoup plus libre. Donc voilà, mais déjà vous êtes dans genre, enfin moi j'étais dans genre, ouh putain c'est beau, et vous êtes pas au bout de vos surprises franchement. Bon, vous allez voir sur le cheval faire pas n'importe quoi parce que je vais tester les touches, mais vous inquiétez pas. C'est normal, donc je vous ai tourné la vidéo d'aujourd'hui, je vous ai tourné du coup une deuxième vidéo dessus, qui est un peu plus longue du coup cette fois-ci. Bon, là du coup ça vous fait une petite intro, c'était pour pas vous faire une vidéo trop longue d'intro, et aussi parce que en fait j'ai pas exactement chronométré, donc voilà. Là, encore une fois, dites-vous que je n'ai jamais joué. Enfin, j'ai jamais une manette PlayStation dans les mains. Donc voilà, je découvre quand on me dit genre appuyez sur R1, c'est pas un réflexe pour moi. Déjà que même sur manette Xbox, les gâchettes, je galère toujours avec leur nom exact. Voilà, bravo. Mais voilà. Encore une fois. Donc du coup, oui, j'ai oublié de le dire aussi, mais. Vu que j'ai acquis une PS4, notamment avec Monster Hunter World, ça a été surtout pris, même le PS4, un peu avec l'impulsion de Block. Et lui, il a pas mal repris les lives en ce moment, et c'est pour ça aussi que. Enfin, c'est une des raisons qui m'a motivé aussi un petit peu. C'est que du coup, je pense que je vais reprendre un petit peu les lives. Je sais pas du tout sous quel rythme, si je ferai que. Enfin, genre, mes let's play en live ou pas. Etc. J'en sais rien en fait. J'en sais absolument rien. Moi, une chose est sûre, c'est que peut-être que le Monster Hunter Block le fera sans doute en live. Donc, moi je serai avec lui. Donc, soit je le ferai aussi en live en même temps, soit on le fera en décalé. Je ne sais pas du tout encore. Bon, bref. Voilà, encore une fois, si vous avez des préférences particulières, n'hésitez pas à les préciser en commentaire ou n'importe quoi. Etc. En sachant que, évidemment, si je fais des lives, tout sera rediffusé. Ne vous inquiétez pas, je déteste faire du contenu qui se perd dans la toile, enfin qui se perd dans le néant, on va dire. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Il y a aussi Catherine là qui est sortie en mode full body qui me tente bien, mais bon, là je vous avoue qu'avec toutes ces dépenses là, voilà quoi. Bref, je pète. Madame, we're back. Hello. Jessica, the clerk, how do you do? What did you tell her? Nothing, as we discussed. Thank you, Hawley. I do hope we haven't inconvenienced you dreadfully. But seeing as you were due to be hanged in a week, I'm sure you don't object too strongly. I know you're innocent. Well, not perhaps exactly innocent, but not guilty of what you were accused. I know you and those who were with you that died were little more than patsies. And that you were set up by one of three men or a woman, possibly by all of them. I can't be sure, but that is all I know so far. And one of these people also made Mrs. Leclerc a widow. And I will avenge my husband's death, so help me God. But I will not avenge it upon them who did not cause it, or caused it unwittingly. Anyway, I'm sure this is all a touch confusing and melodramatic. Where are my manners?
Hawley, please show our guests to their tent and give them some fresh clothes to put on. Very good, madam. Then serve us both a little refreshment. Certainly, madam. This way. You'll find a change of clothes in there. Madam. Alongside a few other items you might need, a lasso, a knife, and a lantern, I believe. Ouais, nous avons quelques vêtements. Basique, je vais vous couper ça encore une fois. Pac. Ça, vous avez directement le résultat. Et puis voilà, je vous mets pas de toute façon le. Bah, toute la touche en vente, c'est quand même bon, quoi. Enfin, c'est tout, assez inintéressant parce que je teste un peu toutes les tenues, etc. Il n'y a pas non plus des milliers. Bref. That looks more comfortable, Hawley. Here, madam. Your very good health. I suppose it beats dying, hmm? Mrs. Leclerc's husband was murdered by one of his business partners. And I intend to find out which one. Or rather, I intend for you to find out. And kill them. You're the only person I could possibly trust to do whatever it takes. Because you and your accomplices, you're the only other victims of their lies still alive. See, you walked into the town at approximately the same time my husband was shot in the back, but by another gun, firing different bullets to those you possessed when you were arrested. These bullets. This was their mistake. You were rounded up and sentenced to death, all because you came to town and didn't talk too much and seemed like you were nasty. Anyway, here they are, the people who run Blackwater. Mr. Jeremiah Shaw, banker, real estate speculator, and crook. Mr. Amos Lansing, ranch owner, speculator, and crook. Mrs. Grace Lansing, his wife. Society patroness, lover of the arts, crook, and my former best friend. Teddy Brown, her disgraced brother, outlaw, wanted man, and still in contact with them. All I ask of you is your help in finding out quite what happened. Mrs. Leclerc would like to help you get back on your feet. Get back to work. Whatever your work may be, I don't judge. You want to rob? Rob. You want to save innocent folk? Do that as well. But you need me just as much as I need you. I think we all... Dire, vous faites un peu ce que vous dans le monde, ça va être garde, mais vous faites le job que je vous ai demandé. Et je sais pas à quel point il y a beaucoup de... ou non, de, entre guillemets, scénario principal comme ça. Mais je pense qu'une fois qu'on a fait ça, ça va être très libre, en mode genre, vous avez des petites têtes un peu partout, et après vous avez du multi, évidemment, dont du matchmaking pour faire des kills, faire, enfin, tu sais, genre des matchs à mort, comme ça, enfin, vous savez, etc. Bref. I don't care what your scruples are as to killing. I will take the full burden of that sin upon my shoulders. Goodbye. For now. Then Hawley, go introduce her to nice Mr. Cripps. I think you'll like Cripps well enough. He's long past his prime, of course, but he hasn't gone entirely crazy just yet. And he will help you, better than most of his ilk. Cripps! Get up! Hello, partner. Hawley. This is your new boss. Oh, pleased to meet you, partner. A.B. Cripps at your service. We'll pay to get your camp established. Mrs. Leclerc is a generous benefactor. And where are we headed? On a choisi où est-ce qu'on va s'installer, il n'y a pas le choix, rassurez-vous, vous n'avez qu'un drap. Si je ne dis pas de bêtises. Bon, ça je vous ai laissé, je ne vous ai pas coupé, bon, voilà, j'ai juste regardé vite fait à quel point il y avait beaucoup d'endroits ou non. Genre les quelques possibilités quoi. En tout cas j'espère que ça vous aura un peu hypé. Oh, and madame, while Cripps is establishing your camp, perhaps you can go to the station and see the clerk, then head to see Clay Davies. He's a horse thief and not a terribly nice one. Then meet Cripps back at your camp. See you shortly, boss. Good luck. Voilà, parce que du coup le deuxième gameplay sera un peu plus long. Là, on va juste monter sur le cheval et puis on va se laisser. J'espère que ça vous aura plu. J'attends avec impatience vos retours si vous êtes hypé par du coup, cette petite série sur le online de Red Dead. Et puis bon, on fera peut-être un petit peu de solo aussi, hein, je sais pas trop. Donc là, on aura le choix de prendre n'importe lequel des deux chevaux. Le blanc a l'air un peu mieux. Moi, je préférais prendre le marron. Parce que c'est celui avec lequel j'ai commencé. Donc bon, why not? Au pire, on changera de toute façon. J'hésitais.
Puis voilà, si vous avez des suggestions, des remarques, des trucs que vous voulez, que ça change, etc., bah n'hésitez pas. Ou même juste, ouais, juste des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis voilà, attendez-vous à voir, bah, du coup, à la fois des jeux PC, genre indé, etc., et de l'autre côté, des jeux plus, genre PS4, un peu comme ça, un peu gourmand, etc. Et le retour des lives, ne vous inquiétez pas, je reviendrai peut-être dessus avec une vraie vidéo en parlant que de ça quand ça viendra vraiment précisément. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le like, commentaire, partage comme d'habitude. Et on se trouve très vite pour la suite. Plein de gros bisous. Et à la prochaine. Oh, et l'ambiance du jeu est incroyable. Bref, ciao ciao.